اليوم بهذا اللقاء الذي يتطرق إلى تدريس اللغات ومن ضمنه لغات التدريس، لأن اللغة من الأفضل أن تدرس من خلالها مضمون ومواد تساعد المتعلم على التركيز على المضمون أكثر من اللغة، لكنه يتعلم بطريقة غير مباشرة. فاليوم تدريس اللغات في مجتمع متعدد اللغات هو تحدي، أي لغة نركز عليها لأي مهام مجتمعية أو شخصية، وكيف ندرس اللغة ولمن ومتى. voir comment nous avons un système d'éducation ou supérieur qui est comparable au vôtre avec le bachelor maintenant que vous introduisez les transformations en crédit. Alors j'espère pouvoir témoigner d'une expérience qu'on a menée à bien avec l'Université de Valenciennes et qui concerne la création littéraire. Un séminaire qui vient au moment opportun, il est très conjoncturel puisque la réforme démarrera l'année prochaine et il faudrait que toutes les universités, y compris les ressources humaines, à savoir les enseignants, soient fin prêts pour justement réussir cette réforme et accompagner les étudiants dans l'enseignement des langues et des soft skills. Donc finalement, le séminaire répond aux attentes d'un certain nombre d'enseignants et en même temps, c'était un espace d'échange pour qu'on puisse voir un peu jusqu'à quel point on pourrait ou on ne pourrait pas envisager la faisabilité de ces enseignements qui s'annoncent vraiment très complexe dans leur mise en place, mais en même temps très prometteur parce que ça va permettre une nouvelle vision de l'enseignement et une nouvelle vision de la programmation des enseignements. L'université lance une réflexion sur le devenir de ses enseignements, ainsi que l'avènement bientôt du bachelor. Donc l'enseignement du langue, plusieurs intervenants ont essayé de porter un éclairage sur cet apprentissage-là, comment l'adapter dans un nouveau contexte avec de nouvelles perspectives. C'est un séminaire qui va beaucoup apporter à la réforme concernant le bachelor. C'est un moment de réflexion, c'est aussi un moment de proposition, c'est un moment d'échange. C'est aussi donc plusieurs axes qui concernent bien sûr l'enseignement à l'université et particulièrement l'enseignement des disciplines aujourd'hui donc qui pose problème puisque il y a donc une rupture entre le secondaire et l'université. À partir de travaux de doctorants qui sont marocains pour certaines ou de doctorants qui ont été faits en France, que en fait les étudiants ne peuvent pas passer tout seuls d'un système d'enseignement où ils sont en face à face avec les enseignants à un système où ils seraient livrés à eux-mêmes dans un centre de ressources en langue, mais qu'ils ont besoin pour cela de médiation. Cette médiation, c'est celle qui est faite par des tuteurs et que ce travail de tuteur ne se fait pas au pied levé, mais qu'il se prépare, qu'il a besoin d'une certaine professionnalisation, et j'ai donné quelques pistes pour cette professionnalisation. Je suis dans le cadre d'un séminaire d'enseignement des langues dans un contexte multilingue. Et il s'agit aussi de mutualiser les connaissances et surtout cette rencontre avec des experts internationaux. L'enseignement à distance, donc c'est une modalité d'enseignement qui peut pallier à beaucoup de déficits, notamment le problème de massification. Comme vous le savez maintenant, nos universités, surtout à accès ouvert, ils recueillent jusqu'à 50 000 étudiants par université. Donc à travers le cours à distance, l'étudiant continue d'avoir toujours un contact avec le professeur.